Bonjour, c'est Kadi et bienvenue sur Kadi Gaming pour l'épisode 14 du Let's Play de Unshrouded en compagnie de TVH. Que et on se reprend, pas comme d'habitude. D'habitude, c'est à la base. Ici, c'est durant notre épopée qui nous a amené près de la tour des anciens, la prochaine en fait, hein, qui est sur la carte ici, les viewers. Ça vous indique pas grand chose, mais je vous le dis quand même. On a parcouru tout ça depuis la dernière vidéo, de là à jusqu'ici. L'idée, c'est d'avoir un point en fait pour pouvoir se téléporter facilement. Et pour le coup, on l'a pas encore débloqué, puisque là, vous voyez bien qu'on ne peut pas se téléporter, alors que ici, oui. Voilà, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse cette tour des anciens. Et on espère réussir, bien évidemment. On est deux. J'espère qu'on va pas mourir tous les deux, sinon je suis dégoûté. Il y a un point déjà pour repop ici, là, je vois, là. C'est un point pour repop, ça. Non, pas du tout, hein. C'est pas une flamme non plus. Attends. Il est à l'intérieur, tu me rassures, parce que là, en fait, sinon, on va mourir comme des merdes. Voilà, on sait que, quoi qu'il arrive... Pas ici, c'est là. On sait que quoi qu'il arrive, on revient là si jamais ça merde. Et ça, c'est bien. Alors quoi qu'il arrive, juste pendant cet épisode, les vieux, hein, c'est, là, c'est pas un point pour se téléporter, c'est juste un point pour... c'est un checkpoint. Voilà. Faut qu'on y arrive. C'est peut-être un peu balèze, hein. Voilà. Bon, bref. On va, j'espère, y arriver. Et, oula. J'ai été touché pour info, hein. J'ai dégusté. Alors, j'ai une torche au cas où, les viewers, qui commence à être entamée, d'ailleurs, faut que je fasse gaffe à ça. T'as activé le bouton ? Oui. Voilà. Attention à notre vie. Pense à bien manger et puis à très jeune dès que tu peux, parce que là, moi ça m'a... Ouais, j'essaie, mais là, moi, alors, quand tu dis esquive, c'est rouler. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on soit bien d'accord avec les termes. J'ai enlevé ma torche, les viewers, parce que tant qu'on n'a pas besoin, je vais plutôt garder en fait ma masse. Alors, par contre, il faut casser absolument les œufs, hein. Les fameux œufs, là, les fameux trésors, comme appelle ça Rick. Parce que dedans, il y a plein de choses. Hein. Tiens, poussière. Poussière luminescente, on avait pas encore ça. Putain, c'est vraiment un. Alors, par contre, comment ça marche? Je regarde juste, hein. Il y a une boule au milieu, donc faut que je cours sur la boule au milieu, les viewers, comme ceci. Oh putain, j'ai peur. Oh putain, j'ai peur. Il faut aller à droite, c'est ça? J'étais à droite, c'est pas là qu'il fallait aller. T'es en face, d'accord, ok. Alors je regarde juste comment c'est fait. Il y a une boule qui roule, les deux. Boule qui roule, les deux. Voilà. Oui, vas-y, vas-y, finis-moi, t'as raison. Ouais. C'est peut-être plus joli que ce qu'on a à la base aussi. Mais j'ai peut-être pas tout refaire à l'intérieur, les viewers, parce que c'est super coûteux au final. Là, il y a de la cire. Hein. La cire, ils en ont énormément. Ça, c'est pas ce que c'est. Non, ça, c'est pas ce que c'est ça. J'ai déjà essayé, les viewers. Ok. Là, il y a un pansement. C'est pas forcément utile, mais je vais quand même le prendre. Je vais manger quand même un. Comme ça. L'idée, voilà, c'est d'avoir une grande barre de vie, histoire que je puisse prendre beaucoup de dégâts et qu'on puisse avancer un peu. C'est quoi ça? Barre de cuivre, t'as pas ramassé de barre de cuivre toi? T'as pas réussi ou t'as pas vu? Attends, excuse-moi, la musique a fait un truc bizarre. Attends, par contre là on est où là? Parce que t'as été voir partout là? Là il y en a encore, regarde ça devant moi là, regarde là, ici là, regarde devant moi là. Voilà. Ok, je vais les prendre, hein, mais je vais regarder, je vais te dire niveau de mon inventaire où j'en suis moi. Il me reste 3 slots. Il y a des choses que je peux jeter, honnêtement. Il y a des os, des machins comme ça qu'on peut jeter, dans le pire des cas, mais... suivant ce qu'on trouve, en fait, on se démerdera. Je remets ma masse, les viewers, on va éviter de gaspiller ma torche, parce que j'en ai qu'une seule. Ok, par où on se téléporte? Parce que là, il y a plusieurs points. C'est les mêmes? Non? D'accord, ok. C'est ce que je me disais. Il y a bien un sens, enfin, quand je dis un sens, en fait, il y a une logique. Et c'est pas très bien de ne pas être les mêmes à chaque fois. La preuve, il y en a un qui descend et un qui monte. Alors, comment on va faire pour ne pas mourir? En face, je peux passer, TVH. Je peux passer en face déjà. Sauf qu'en face, c'est fermé. Tu les as les boutons ou pas? Je vais aller ici. Je vais casser ça. Et puis, je vois, il y a du cuivre en masse. Je prends du cuivre, hein, les viewers. Je sais pas quoi ça nous sert, mais je me sers. Hein. Là, j'essaie d'aller là-bas. Je ramasse ce que je peux. Hein. Je vois parce que là il donne du cuivre à gogo, donc je me dis que ça a du sens. On pourra le refaire, hein, les viewers, normalement, tout ça. Voilà. Là il y avait du sel, je m'en fous un peu, mais bon, je remplis mon inventaire pour le moment. Alors t'es parti où là, par contre?
Alors là, je peux grimper là, moi. Je sais pas où t'es parti, mais moi je peux grimper. Alors je pense que tu l'as déjà fait ça. Tu l'as déjà fait ça, hein, les uns? Ouais, je pense que tu l'as déjà fait. Ah, j'ai double saut, c'est vrai, c'est génial ça. Oh, ça, c'est génial. Alors, j'ai un gantelet, résistance physique 15. Et moi, mon perso est combien? Résistance magique 7. Et là, j'ai 10 et 5, donc il m'intéresse, effectivement. Est-ce que tu veux... Alors, je peux te donner le mien, si tu veux, mais le mien est que 10 physique et 5 magie. Bah, c'est vrai que ça m'aide un peu, je t'avoue, mais... T'as le double saut, c'est tellement génial. T'es mort? T'es tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est là où tu vas avoir le coffre, d'accord, le coffre qui est là, je comprends maintenant. Ok, maintenant on va où là? Parce que... alors attends, là où tu es... Ouais, j'arrive. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais en fait faire mon double saut et te rejoindre. faut que je remonte. Ah attends, t'es là, je suis là, je reviens. Il y a peut-être un truc à lire, hein. Si c'est un truc rouge, là, à chaque fois c'est à lire. Par contre, comment t'as fait pour aller là-bas en fait? Ah oui, tu m'as dit qu'il y avait un truc, effectivement. Ok. Ok, et là le grappin il est où en fait? Non mais il est où le grappin surtout en fait? Bah, ouais, mais comment je fais pour aller de l'autre côté du mur justement? Tu vois, là je suis là en fait, comment je fais là en fait? Ok, il y avait pas autre chose à voir? Mais est-ce qu'il y a un truc à lire? Parce que s'il y a un truc à lire, je suis obligé d'y aller. D'accord. Ok. Et t'as ouvert la porte. Bon bah nickel. On a passé un level parce qu'il y a plusieurs niveaux hein, normalement. Pourquoi je peux pas passer? C'est bon, E utiliser. Donc c'est un truc de fric hein, les viewers. C'est-à-dire qu'on va s'enrichir clairement. Déjà qu'on arrive, si vous vous souvenez à la dernière vidéo. On avait tout parcouru le monde blindé de stuff comme il y a là, hein, avec beaucoup de baies, des nouvelles baies, notamment ça, voilà, de la plante indigo par exemple, un peu de lin, mais des fraises, des noisettes. Ah oui, des fraises en fait, j'ai un stack ennemi en fait. Est-ce que t'as une fraise à tout hasard? Merde, parce que j'ai 21 fraises, c'est ballot. Bon, c'est pas grave, au pire, j'en mangerai une. C'est quoi ton objet que t'as chopé? Il me reste 1. D'accord. Ah, c'est le fameux parchemin que tu disais. D'accord. Bah écoute, je jette certaines choses qu'il y a dans mon inventaire hein, qui pour moi sont nulles. Par exemple, le bois de brume qui est à 2, je m'en fous un peu, tu vois. J'ai 2 bois de brume. La fourrure, j'en ai 1, je l'ai jeté aussi. Voilà. J'en jetterai tout à l'heure les verbes, mais ça me fait 3 emplacements donc je prends. Et j'imagine que toi t'en auras besoin aussi, donc... Ah d'accord, là t'as parcouru ça. Ouais, c'est bon, je suis passé. Il y a des lingots de cuivre que t'oublies. Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut que tu me les donnes en fait, hein, s'il y a besoin. Hein. Comment ça... Oups. Ok. Et là on a... Ah non, y a rien! Mais ça c'est quoi? Ouais, bah mais je les prends, je les prends, t'inquiète pas. Ça, je vais la prendre la baguette d'apprenti, hein, parce que moi j'en ai une autre, tu vois. Et comme je te dis, il y a plein de choses en fait que je peux jeter parce qu'on s'en fout un peu. Voilà, je vais tout prendre, bien sûr. Ah, j'ai le sac à dos plein, mais alors attends, tout de suite, je jette ça. Par exemple, j'ai un de sel, tu vois, un de sel, on s'en fout un peu. Un bandage, une flotte, tu vois, je jette la flotte. Farine d'os, je jette. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça en fait où je peux jeter. J'ai 8 os au pire, tu vois, acheter. J'ai. Bon, j'ai certaines choses, hein, mais je préfère ramasser. Il y a des choses clairement plus prioritaires que d'autres. Heureusement que tu m'as dit avant qu'on parte hein, de prendre un sac à dos. De faire un petit sac à dos parce que ça m'a fait une ligne entière le petit sac à dos, les viewers. Une ligne entière, c'est. Je parle d'une ligne, ça en fait. Si vous voyez ma souris. Ça en plus, donc je prends. Ok. T'es parti à l'étage? Faut tout péter, hein. C'est bizarre parce qu'ils ont l'air d'insister, tu vois, sur les. Sur la cire.
Je sais pas pourquoi la cire, on en a plein. La poussière luminescente aussi, ça je prends parce que c'est quelque chose de nouveau. Ah, les pierres, je pense que je vais les jeter aussi, les pierres. Oh, non, oh putain. Attends, t'es sérieux là? Touché. Touché, j'ai pris super cher. Ouais, mais c'est. En fait, c'est. En fait, tant que tu vois, j'ai de la vie, là j'ai pas encore mangé, tu vois, je me régène. Ça va passer tout seul, les vieux, hein. C'est-à-dire que là, voilà, ça m'a niqué deux tiers de ma vie, mais tant que j'ai justement toute ma vie, en fait, j'ai une chance supplémentaire. Ah, c'est fini, ça y est! Et ben voilà, bah, c'était. Alors, je suis super content. Attends, je vérifie quand même. Est-ce qu'on peut se. Oula. Oula. Tu m'entends ou pas? Ok, donc là, on pourra se téléporter maintenant ici, les vieux, et ça, c'est super cool. Parce que. Attends, ta voix qui déconne là totalement au TVH au passage. Ouais, là c'est mieux là, mais là pendant quelques instants c'était pas terrible la dernière fois là. Cœur d'un bousquet. Ok, j'en ai profité pour lire rapidement le texte hein, qu'il y avait pendant communier avec la flamme. Ok, donc tu m'as dit, excuse-moi, sur la carte, réénumère-moi ce que tu viens de me dire, excuse-moi. Tu m'as dit, il y a des puits d'élixir. Ouais. Et ceux qu'on a fait, est-ce qu'ils sont marqués ceux qu'on a fait? Non, ils sont pas marqués. Oui, non, là je te parle des sanctuaires de la flamme. Chapelle de la flamme, sanctuaire de la flamme. Il y en a pas, hein. Au sud-ouest, ni au nord, ni à l'ouest. Exact, ouais, ok. Ils nous donnent... Ils vont nous donner une étincelle à chaque fois, je pense. Hein. Bon, on a plusieurs choix. Pour cette vidéo, est-ce qu'on essaie de se faire le coffre d'Oswald à côté? Ou est-ce qu'on se fait un puits de l'élixir proche, tout en bas, là? Celui qui est intermédiaire, peut-être mieux celui-là, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ah, ouais, donc effectivement. Donc on descend, on fait un voyage rapide vers la tour précédente. T'as peut-être raison, effectivement. Allons à la maison. Ah, attends. Je vérifie bien qu'on puisse téléporter. Bien téléporter. Parce que si on peut se téléporter ici, ça va être la merde. Je suis super content, TVH. Franchement, là, je suis. Parce que je sais qu'on a bien avancé. Et qu'il n'y a pas eu de fail. On est mort. C'était limite. Bah en fait tous, hein, on a failli mourir tous en fait, tous les deux je parle. Parce que là entre toi et moi, effectivement moi je suis mort deux fois je crois, toi une fois. C'était tendu hein, quand même, c'était vachement tendu. Hein. Ah bah là, alors les viewers, je sais pas trop comment on va faire. Je pense que ce que je vais faire, je vais commencer à disposer en fait ce qu'on va pouvoir utiliser. Donc la plante, quand je dis utiliser, c'est mettre en pépinière. Hein. Donc je mets ici tout ce qui est en pépinière, même si en fait, attendez, il y a mieux là. Il y a mieux, je dis des conneries. On a déjà en fait quelque chose pour la pépinière. Qui est là. C'est tout ce qui est cru, mais en réalité, c'est tout ce qui arrive pour la pépinière. Je pense que je vais faire un coffre spécial, parce qu'en fait, on va faire une pépinière juste à côté, on va mettre un coffre à côté de la pépinière. Donc là, je mets tout ce que je peux. Je vais mettre la viande en dessous, parce que là, ça va déborder sinon. Tu m'as donné toutes les ressources hein, que tu avais, les plantes, etc. Là, tous les trucs un peu. Ok. Les champis, je vais les mettre ici, les vieux. Et puis on va. Enfin, non, ceci dit, non, il faut qu'ils restent là, parce que ça va avec. Les plantes, on va plutôt les mettre en dessous. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai des fraises. J'ai des fraises en grande quantité. J'ai du lin. Ça, du lin, ça, on avait déjà eu. J'ai... Ah si, t'avais aussi de la... Comment ça s'appelle? De la... T'as des plantes sur toi, là, comment ça s'appelle? Bah, c'est... Il y a ça. De la betterave. Les betteraves, t'as donné aussi? Parce que j'en ai que 4, des betteraves. C'est très suspect, ça. Je les ai sur moi, j'en ai 4. Ok, je me disais bien aussi. Pourtant j'ai l'impression d'en ramasser beaucoup plus que ça, je suis très étonné en fait que peut-être qu'à chaque fois ils donnaient pas non plus. Hein. Ça on va les mettre de côté, c'est vrai qu'on a c'est le jackpot là les vieux. Hein. Bon, ceci dit, on va pas passer dedans non plus à regarder ça ensemble, mais au moins voilà qu'on dépose un peu le stuff, parce que c'est vrai que si on meurt, qu'on se trouve pas comme des cons en fait, avec rien quoi. Voilà, donc là je me vide un peu, ça c'est bien, pour ces ressources là en tout cas c'est fait. Là j'ai un trou là pour les tomates là, il y avait rien d'autre là. La camomille, c'est la camomille. Est-ce que la camomille se ramasse? Tu l'as pas mis la camomille? J'ai de la camomille. Voilà, bah, c'est la camomille que je cherchais, pardon. C'est ça qui m'intéressait, moi.
Voilà, on change ça comme ça, hein. Y a pas d'ordre des viewers, mais voilà. Comme ça, en même temps, on va faire un petit tour des coffres aussi, comme ça vous allez voir un petit peu où on en est, et puis on va faire vite fait un peu l'élixir. Alors, c'est vrai que les sacs à poisson, y a rien, tu les mets en haut à droite, tiens, là, ici, là, tiens. C'est très bien, là. Moi aussi, j'ai un sac à poisson, c'est pas plus mal. J'ai un sac de... Bah, la poussière lumineuse... Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Parce qu'il y a aussi les sacs de... C'est les sacs de brume aussi, là. Il y a aussi les sacs... Moi, j'ai un sac de brume. J'ai de la résine au passage. La cire, ça tombe bien. Ça aussi, j'en ai. Voilà. C'est bien. Ça se vide bien, en tout cas, de mon côté. Je sais pas pour toi. Il y a des nouveaux métaux, là. Enfin, il y a de la brique et du cuivre. Ça, je mettrais bien ici. Mais en fait, on va faire ça mieux que ça. Parce que là, on va se retrouver dans la merde. Tu les as mis au bon endroit, hein, où je les aurais mis, mais... Ouais, il faudrait vraiment en fait un coffre ferraille. Parce que là, en fait, rien que ça, rien que les 5 qu'on a, là, c'est de la ferraille, ça. Il y a un coffre bois, les viewers, qui est au-dessus. Nous, on triera après, mais bon, là, déjà, faisons ça en gros. Ah bah, alors, moi, j'ai de la place, mais en fait, j'ai envie de te dire, je préfère qu'il y en ait beaucoup plus. Parce que si on en ramasse d'autres, alors après, tu vas me dire, là, normalement, avec ce qu'on a, ça m'étonnerait qu'on arrive à se remplir. Pour un puits d'élixir, j'ai 3 lignes. Ouais, mais tu sais quoi, il y a quand même des choses assez précieuses que j'ai avec moi, que je voudrais bien. Alors les viewers, ce qu'on va faire, on va trier ça notamment. Cette baguette là en fait à la place... Bon, si, je suis pas un magicien mais je la prends quand même. Je vais mettre en fait ce que je veux absolument sortir. Ça je m'en fous à l'arrière, ça je m'en fous aussi, je m'en tape aussi, ça je veux, et ça, ça voilà. Si j'avais trié ces 5 là les viewers, on va dire que c'est bon, parce que c'est le plus important. Les autres, au pire je les paume, ce sera pas un drame. Ah, attends, j'y suis, hein. Je suis là, donc je mets, hein, mais de base je suis pas censé les garder, et ici... Un petit peu plus. Bon, c'est bien, ça se vide super bien de mon côté. Là, oui, j'avais pas prévu non plus d'enlever ça, les viewers, mais. Encore une fois, je suis devant, donc c'est con de pas en profiter. Ça qui m'embêtait plus. C'est où les. Voilà, c'est dans celui-là. Là, on a ça. Les runes. Alors, les runes, on va dépasser presque les 1000, là, TVH. Tiens, la 2100, elle est là. Et les deux, là. Alors, ça, c'est super précieux, à mon avis. Ça, il faudrait que je mette celle-là. Avec les baguettes. Bah tiens, tu l'as mis là, le parchemin, d'accord, ok. Bah c'est parfait. Bah, dans ce cas, je me suis vidé, c'est bon pour moi. Et vu que je sais où sont les os, ces viewers, ils sont là. Je vais les mettre aussi. J'ai triché un petit peu sur ce que j'ai dit, mais voilà. Le reste, on garde, bah, je suis parfaitement vide. Donc en fait, en soi, je peux tout perdre, je m'en fous un peu. Tu t'es reposé en attendant. Voilà. Et on part à l'action. Normalement, les puits d'élixir, les viewers, c'est voilà, c'est vraiment un truc secondaire pour vous. Ça devrait être fait super rapidement. On l'a déjà fait, je crois, en vidéo. On va juste s'assurer que c'est bien la même chose. Si c'est la même chose, c'est pas dit qu'on en refasse beaucoup ensemble, hein, les viewers, parce que je vais pas vous embêter avec ça. L'idée, hein, c'est qu'on ait quelque chose quand même de d'assez comment d'assez différent à chaque fois. Hein. C'est toujours la même chose, les viewers. Vous allez vous faire chier, donc c'est pas l'objectif. Du coup, TVH, on va se téléporter à la tour des anciens. C'est juste à côté. C'est parti. Je suis super content en fait d'avoir débloqué ce point là qui était un peu compliqué, on a ramassé plein de choses. D'ailleurs c'était dit hein, à la fin en fait, c'était dit que voilà, il parlait du bosquet, etc. Je pense qu'en fait c'est vraiment le coin où on peut ramasser les ressources à farmer. Enfin, à planter en tout cas. Je sais pas où tu vas mais je te suis. Alors au-dessus de quoi? Ah là, les vieux. Oh là. Oh putain. Comment? Moi j'ai 2 barres entières, 2 barres et un petit peu plus. Et j'ai mangé. J'ai mangé un steak. Donc voilà. Mais quand on sera là-dedans, il faudrait qu'on mange quand même une baie avant. Ce que je vais faire maintenant d'ailleurs, les vieux. Attends, comment tu plonges à la verticale, toi? Alors ça c'est super dangereux, tu te prends un arbre dans la tronche, ça t'enlève ton planeur, et là t'es mort. Ok, je suis prêt. Au pire on peut mourir, de toute façon on n'a pas grand chose à perdre les viewers, c'est pour ça que... on va garder déjà tout ce qu'il y a ici dans mon inventaire, et le reste je m'en fous, donc Ouais, ils sont tranquilles. Hein. Ah non, c'est un costaud celui-là. Enfin, c'est un costaud de niveau 3, mais bon...
dans ce stuff quand même, hein. On va être radin jusqu'au bout. Ok, par contre, j'ai pas fait gaffe, TVH, mais j'ai pas régène mon arme. Il lui reste le tiers. Mais ça devrait aller, hein. Mais ok. Bah, c'est niveau 3, donc forcément. Parce que pas grand chose, quoi. Je me suis gouré, je sais pas si t'as vu. Hein. J'ai fait grappin à la place. C'est quoi ça? T'es sûr? Parce que là en fait. Attends, je descends quand même pour le fouiller, ça. Vu que je suis là. Oh, c'est du tissu déchiré. C'est vraiment de la merde en fait ce qu'il nous donne. Hein. Après, j'ai pas tout fouillé les coffres, les vieux. Hein. Là, ce qui compte, c'est de débloquer en fait le puits. On verra après pour. Ouais, c'est ça, parce que c'est pour le métal. Le métal m'intéresse beaucoup. Tu ramasses quoi là? Ah oui, le. Non, que de la bûche. Hein. Que de la bûche, 100% bûche. Ouais, en fait, alors attention, ouais. Ah, ça c'était sûr. T'es mort aussi ou pas? D'accord, superbe. J'avais pas vu, enfin en fait. Ouais, mais en fait, j'ai vu les tonneaux au dernier moment en fait. Et je me suis dit que ça allait peut-être te toucher, mais du coup, c'est bon. Alors, du coup, je reprends un petit peu de baie là. Donc, t'as ramassé le coffre, ça c'est bon. Donc, je. Voilà, bah, c'est nickel. Juste que je me régène un petit peu, mais ça va se régène gentiment, donc on va pas. On sauvegarde, super, sauvegarde, super important ça. Heureusement qu'il y a des checkpoints. Ça va, au final, les checkpoints, j'avais eu peur, tu vois, qu'il y en ait vraiment très peu. En fait, là, mis à part pour la tour des anciens, tu vois, ça allait. On n'est pas très loin, là, donc ça va. Alors, ma vie est encore super basse, hein, donc le TVA, je vais y aller tout doucement, moi, pour ma part. Donc, on va voir si c'est le même boss. Moi, je suis convaincu. Enfin, on s'était dit. Voilà, TVA, je pense que non. Moi, je pense que oui. On va voir dans quelques instants, les viewers, qui a raison. C'est pas un défi, hein, c'est juste. C'est juste un jeu entre amis, on va dire. C'est pas du tout méchant ou quoi que ce soit, mais. Moi, je sais pas, je sens comme ça. J'en sais rien, j'ai pas été vérifié quoi que ce soit, donc j'en sais absolument rien. Mais je me dis que. Il y a une tête de je sais pas quoi, et je pense que les têtes de je sais pas quoi, là, en fait, ils vont pas faire une tête à chaque puits. C'est plus dans ce sens-là, en fait. T'es redescendu là? T'es parti où, en fait? Attends, je sais pas plus, là. Ah, t'es là. Ok. On me tape un ennemi, voilà. Je suis la moitié de ma vie, là, maintenant. Ça va beaucoup mieux. Raté. Bah, je suis niveau 6. Peut-être j'étais niveau 5, TVH, qui me semblait aussi. Hein. Non, niveau supérieur, 6. Ça vient de me mettre 6. Ah, c'était 6 points de combien? Je passe à voir les viewers ce qu'il vient de dire. Hein. On va dire qu'on a compris. Oui, TVH, ça marche. Bah, pourtant, je te jure, c'était écrit les 6 en gros, quoi. Donc. Ah, et ça j'ai pas fait gaffe, t'as peut-être raison. D'accord, ok. Il met 6 en gros et hop, il y a une petite animation pour dire 7 quoi. D'accord, ça j'ai pas fait gaffe, c'est possible. Effectivement les viewers. C'est quoi qui est ici là? Attends, il y a encore un ennemi qui arrive. Ah, vu leur niveau, c'est vrai qu'une torche pourrait suffire peut-être. Alors là, il y a un truc super rouge là, c'est pas qui m'ennuie, hein. C'est juste, je mets juste un petit coup de head des viewers parce que pour vous c'est quand même plutôt joli. Hein. Et je le fais juste pour le fun. Hein. Ça va mieux. Je te sentais mal, j'ai voulu t'aider. Quand t'as besoin, tu. Oh, putain. C'est ça le boss ou quoi, tu penses? T'es mort? Alors j'ai pris un peu. Oh putain, par contre là il m'a filé un truc, une épée de guerre aiguisée. Je sais pas si c'est important ou pas, mais j'ai chopé. Attends, il y a un caillou qui vient de voler la gueule par contre. Je l'ai évité. D'accord. C'est la. Alors la plante elle prend des coups, mais je sais pas si elle va se casser ou pas. Peut-être qu'il faut nuage d'abattage, hein.
Ah c'est bon. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire, fallait latter le truc rouge, TVH. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Donc effectivement, tu as raison, ce n'est pas le même ennemi. Ce qui veut dire que du coup... 3 points de compétence. Ce qui nous permettrait peut-être d'aller au puits suivant. Alors, t'es en train de me dire en fait que le fait de faire ça va nous donner des points en fait d'XP directement à nous, automatiquement. Voilà, ça ne nous file pas en fait du bonus de stats. C'est toi qui l'as choisi le bonus de stats. D'accord. Ok, et ben dans ce cas-là, ouais, on peut faire la suite si t'as envie. Après, il est temps d'essayer de ramasser. Hein. Non, y'a rien à ramasser plus que ça. Attention! Ok, et eh ben du coup c'est pas mal, je sais pas si on a raté des choses, j'imagine que oui les viewers, mais en même temps vu le niveau du truc c'est peut-être pas intéressant. Donc dans ce cas là, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on va directement au point suivant ou pas? On est où là? Sauf que le point suivant il est vachement loin TVH. Ou il est un petit peu plus loin, ouais. Ouais, si tu veux, c'est quoi, faisons ça, ouais, faisons ça, allez vas-y, ça marche. Oui, c'est vrai que depuis la tour, ouais. Ah, par contre, moi, je suis un peu limite niveau. Alors, attends une seconde. Je vais revenir à la base pour ouvrir. Ouais, exactement, pour réparer. Je reviens tout de suite après. Ça peut être super sympa de faire ça, ouais. Ouais, je rapide. C'est génial d'avoir ces points de téléportation. Heureusement, quand même, qu'il y en a un minimum. Faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'après, c'est trop cheaté aussi. Il y en a juste suffisamment, en fait, pour nous aider, mais pas trop. Je trouve ça plutôt bien équilibré. Voilà. Allez, j'ouvre l'établi vite fait. Boum. Ça c'est fait, me reposer effectivement on peut le faire aussi rapidement. Et on va regarder vite fait justement où ça en est. D'accord, merci. Voilà. Ok, on va regarder sur la carte les viewers. Ça va augmenter, voilà, mon reposer pendant 10 minutes, ça peut être sympa. Je sais pas le niveau qu'ils ont, mais ils sont quand même assez loin j'ai l'impression, et j'ai peur que, vu où ils sont... Ouais, alors 7 ça va. Par contre, si on passe à 9 ou 11, c'est mort. Parce que t'as l'impression c'est toujours un pair en fait. C'est 7, 9, 11, tu vois. Y a pas de 10, y a pas de 12, y a pas de. Voilà. Bon, faisons ça alors. Et ben du coup, je suis reposé. Téléportation ici. Boum. Non, pas niveau. Pas maison. Là. Voilà. Et les viewers, ce qu'on va faire évidemment dans un des prochains épisodes, je sais pas, peut-être le suivant, peut-être le prochain en fait, c'est faire en fait le champ. Parce que là, le champ, on a vraiment besoin. Comme vous avez vu, on a beaucoup de ressources et là, et, bah, il faut absolument qu'on s'en débarrasse. Enfin, qu'on s'en débarrasse. Qu'on les mette à farmer, qu'on les mette en valeur là, comment on s'appelle là, qu'on les valorise, voilà. C'est pas des déchets mais vous avez compris. Donc, rapidement il va falloir qu'on fasse des champs et qu'on aille bah, foutre ça dans le champ. Je sais pas quelle taille, j'ai commencé à imaginer un petit plan dans ma tête. Et puis aussi avoir suffisamment de terre aussi pour... ça on a besoin de terre aussi d'ailleurs TVH. Ça doit être fermé un peu de terre en fait, je sais pas où, pas proche de chez nous, ça pourrait être pas mal. Je suis en train de continuer en fait, en train de voler là. Ah, c'est bon. J'étais dans le sol. Ouais, c'est ça, ouais. Tiens, là, il y a des baies. On ramasse les baies aussi. Ok, on est où là, du coup? Est-ce qu'on est loin? Ah, ouais, quand même, on est à mi-route. Ouais, à peu près. Hein. Mon double saut, il permet vraiment d'en plus de prendre plus de hauteur. Donc d'avoir encore plus loin à planer. Et là, on est où? Ah, oui, non, là, on est encore un petit peu loin quand même. Mais on s'en rapproche. Doucement. Et là c'est tout droit. Donc là c'est juste tout droit. Donc ne cherche pas à taper les ennemis, on s'en fout un peu. En plus il risque d'être assez costaud celui-là j'imagine. Si on a un point à activer, un truc comme ça on prend. Sinon on active rien, on s'en fout. Ça va toujours derrière? Oula, il y a des flèches qui me tirent dessus là. Je réfléchis juste les viewers. Oui c'est juste en face. Allez, on y va directement, en espérant qu'ils vont nous lâcher quand même, avant qu'on arrive au puits de... Au puits de l'élixir. Voilà, on a 7 minutes, ils sont combien? Ils sont niveau 9. Alors 9, c'est vraiment le max. J'ai pris un coup, la vache. Oh c'est peut-être déjà trop en fait, TVH. J'ai peur que le boss en ait beaucoup de mal.
Parce que j'ai pris un coup, ça m'a niqué le tiers de ma vie direct. Après, enfin peut-être que j'étais pas à fond. Je reprends encore une petite belle évieur. Ainsi qu'une petite viande. Ça pourrait être utile. On va se permettre. Est-ce que j'ai encore des choses sur moi? Oui, j'ai pas mal de choses sur moi. Ouais, c'est pas forcément super grave, au pire. Donc on va dire que pour le moment, on reste comme ça. Attends, comment tu les one-shot, là, les trucs, là? Attention! Je sais pas, mais ils sont assez... Là, ils font super mal, les bâtards. Hein. Y'a un mec qui arrive, y'a un mec qui arrive avec un arc. Avec un arc. T'es comment, là, niveau vie? Parce que là, ça va faire super mal. Heureusement que je les stun un peu, tu vois. Parce que sinon, c'était pas la peine de les... On n'arrivera pas à les tuer, hein. Ouais. Alors, ça pente. Putain, avant, j'ai one-shoté ces connards-là. Putain. Putain, il a rien de toucher. Alors, vraiment, les corps de bestioles, ça en a plein. Tu les as latés ou pas? C'est bon. Voilà. On niquer, voilà, les spawners, comme ça au moins. C'est bon. Où en est ta vie? Ça va, ta vie? Ouais, ça serait gêne. Il m'en reste deux, moi, des baies, hein, encore. Après, celle qui est en cours, là, qui est à peu près aux deux tiers. Enfin, il me reste deux tiers. Elle était avant. Comment c'est que tu fais beaucoup plus de dégâts, là? Ah, mais comment tu fais, ça, surtout, en fait? Attends, j'allais voir s'il n'y a pas des points que je pourrais ajouter aussi, parce que j'ai pas mal de points de compétences. Ce serait con de pas en profiter, au cas où je peux faire quelque chose. Vitesse de sprint est augmentée de 10%, ça je m'en fous. Attaque sautée 2, ça j'ai déjà fait. Ouais, mais le problème c'est que moi je m'occupe pas de ça en fait. Ça donne quoi? Force par 1. Je suis donc athlète en fait actuellement. Coup de grâce, tous les dégâts infligés par l'arrière sont augmentés de 30%. Et je peux pas l'atteindre encore. Et j'ai guerrier sanguinaire en fait. Collecte de l'or pour légère 10% de votre santé. Avec une attaque furtive ou une attaque impitoyable. Ouais, mais c'est quoi impitoyable en fait? Alors, impitoyable, c'est quand tu vois quand les ennemis bloquent, tu donnes des coups, ça fait que tu pars. Quand tu atteins le max, l'ennemi est au pied, et c'est à ce moment-là que si tu prends attaque impitoyable au centre, tu peux lui faire un peu un finish. Et faut... Ça me coûte cher là. 30 d'endurance, tu parles à. Ouais, ça je sais pas faire. Il me reste plus que 6 points, mais c'est lâchement abusé. Coureur, là ouais, ça on s'en fout. Et résistance. Moi je. Ouais, non, je... Hey. Ouais, tu sais quoi, je vais laisser pour le moment. Je vais laisser pour le moment, t'embête pas parce que j'aimerais bien avoir plus de points parce que là c'est vraiment trop léger. Tant pis, c'est déjà pas mal hein, ce que j'ai fait, mais. C'est peut-être prendre des dégâts ça. Bah oui, t'as raté par contre. T'as pris cher non ça? Ok, donc là on va se retrouver près du boss, Evieur. Et là ça va être Tandax. Parce que là, le niveau il va vraiment être hard. Donc on risque de mourir, de revenir, c'est pas grave hein. D'ailleurs, au passage, c'est quoi ça? Ça va pas vraiment mal. Je vois que ma vie est plutôt pas mal. Pour y aller. Alors ça explose pas vraiment en fait, ça fait un truc très bizarre, ça me le met en rouge. Vas-y, tire-leur dessus, mais ça change pas grand chose. J'ai aussi une baguette, hein, les viewers, donc. Mais bon, une baguette, je suis pas du tout magicien. Hein. Spawner 2. Faut que je fasse vraiment ma double attaque comme ça, là. Par contre, elle prend vachement de temps, du coup, c'est ça le problème. C'est 20% en plus, mais est-ce que ça vaut le coup hein? Et chose bizarre que j'ai pas eu une masse en fait de super niveau depuis un bout de temps. Soit j'ai raté, soit en fait bah y a pas plus. Oula. Super, j'ai pris un dégât, il faudrait qu'il m'attire dessus, il est où là, ce connard là?
Ouais, ben c'est pas grave, je les ai fait tomber, donc au pire, c'est pas grave, mais non, je peux sauter, tu vois, pour les... Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Attends, il est là. Ok. Oh putain. C'est pas ça que je demandais. Ouais. Bah, en espérant quand même que ton que mon corps il reste en haut, du coup, hein. Voilà, là on a encore, regarde ça, là c'est le même truc. Ah, par contre là il y a un boss, attends il y a un boss. Il y a un boss balèze plus le truc rouge. Ouais mais le truc rouge en fait il tape pas. Ah ça, si on est niveau 7 ça va. Par contre le boss à mon avis il va pas de niveau 7. Hein. Bah essaye de les taper si tu veux je te dise. Hein. Allez, je vais le faire venir vers moi, on va voir ce qu'il me fait là. J'ai mis un coup pas. Putain, il a mis un coup de pied, son foiré. Ah, il tape pas très fort. Attends, enfin avec le pied. Avec la lame, c'est pas le même. Allez, viewer, j'en prends une baie. Hein. On n'hésite pas. Ok, est-ce que tu veux qu'on le tape voilà, continue à le taper. Moi, je... Ah, c'est bon, il est vers toi. Ouais, 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 mais là, faut que je casse. Oula. Alors, j'ai pris cher, je suis pas mort. Je suis pas mort, hein, t'inquiète pas. Donc, vas-y, défonce-le. La vie va se régénérer de toute façon. Ah, par contre, lui, s'il te court après, ça le fait pas. Ouais, t'es devenu vers moi là, non? Ou. Non? Il est pas vers moi? Vas-y, continue de le spammer. Ouais, ouais, mais là. T'es mort ou pas? Non, t'es pas mort. Ma vie se régène, non, c'est bon, donc je peux me prendre un ou deux coups encore. Là, on va l'avoir de toute façon. Ok, ça c'était nul. Attendez, 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 attendez. Alors, fais attention à ta vie. Il faut absolument remonter ta vie. C'est avant de s'inquiéter de savoir ce qu'on prend. Voilà. Et si t'as une masse de malheur, ok, je vais voir la tronche qui est là. Masse de malheur qui est où? Je ne l'ai pas. Je ne la vois pas. Ah oui, 34, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, alors 34, c'est pas du tout la même. Là, attends, attends, je regarde juste la différence entre les deux là. 34, 6 de parade, d'accord, ok. Et l'autre que j'avais était là. C'était la même. C'est perforante, contendante, forcément, c'est une masse un peu coupante. 25 à 34, ouais, bah tu m'étonnes que ça vaut le coup, ouais, 25 à 34. C'est une fois et demie plus. Un peu moins d'une fois et demie plus. Je vais taper beaucoup plus fort, ça c'est super cool. Bien, bah merci, tu vois, je disais justement que ça fait longtemps que j'avais pas eu de masse pour taper. Bah là, au moins, je peux taper avec ça. Ok. Bah je pense que tout en fait est bien. Enfin je pense que le jeu est bien équilibré, ils ont bien fait ça. Hein. Je prends les déchets des bestioles, mais c'est les morceaux de bestioles, je pense qu'on en a beaucoup trop. Je pense qu'on va en jeter à la fin, enfin. Là, il y a une charrette. Et bien après, elle est vieux parce qu'on va faire, on va simplement se laisser ici parce que je pense qu'on a fait le tour en fait là. Si j'ai pas de bêtises. Alors, mis à part, on a quelques ennemis encore qui font chier. Ils sont nombreux là. Putain. Putain. On va le choper. Ouh, ils sont 4 avec ma masse. Oula, oh oui, effectivement. Ouais, c'est beaucoup mieux. Tu vois, j'avais besoin là. Et moi, j'ai pas fait le double. Celui-là, là. 125. Ouais, mais c'est beaucoup mieux, tu vois. Moi, j'aime bien quand ça tape comme ça. Oh, je trouve ça injuste. Vous augmentez. Moi, j'ai rien. Voilà. On fait comme. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est moi qui offre. Ah non, j'ai paniqué en plus leur base. Ah c'est bon, là il est niqué. Tout va bien. Prends quand même parce qu'on va démanteler et puis on va faire des choses avec. Hein. Genre parce que quelques bestioles aussi qui sont gratuites là, mais bon.
Oui, je pense que voilà, là on est en train de ressortir effectivement. Donc à part ce TP, par contre on est pas en premier. Voilà, ça va beaucoup mieux là. Et heureusement que je peux faire ça parce que c'est vrai que ce serait compliqué vu le nombre d'ennemis qu'il y a. Voilà. Ce serait vachement compliqué en fait de les tuer. Il n'y a rien, il n'y a pas de coffre. Plus de bois. Ah, bah, par contre là. Toi, t'as le droit à super. Oh, t'es pas mort. Putain, elles sont niveau 9, elles sont plus élevées que tout à l'heure ou c'est moi? Je te régène, attends. Hein. Voilà, donc pense bien à manger parce que tu vois, on fait les malins, mais tu vois, c'est vite fait de crever. Ma vie est bien descendue aussi, je suis plus côtière. Hein. Donc voilà, mais bon, on a réussi. Et là, on est ressorti, on est où en fait là? D'accord, ok, dans ce cas, on a fait tout effectivement. Ah oui, c'est par là, c'est par là, c'est par là, effectivement. C'est par là, faut qu'on ressorte. Donc, ouais, on va se taper du coup. Et ben, je suis content, encore un puits de lumière, j'allais dire. Je regardais juste, par contre, là, on est par rapport au haut de la map, les viewers, on est rendu à peu près au tiers là. Je vous l'ai fait simple, mais là jusqu'à où on a été, on est rendu au tiers. C'est un peu long, je pense, à faire tout ça. Mais j'imagine que ça va un petit peu s'atténuer plus tard, quand on aura en fait tous les matériaux, tous les établis possibles. On a déjà tous les PNJ, donc voilà. Le jeu avance quand même, mais ça, c'est plutôt cool. Il avance doucement, mais sûrement. Du coup, je vais me reposer ici. Et puis, on va se laisser ici, du coup, les viewers, et on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!